Là, on est devant l'hôtel Cheyenne, hôtel sur l'univers de Toy Story. Donc super sympa, Far West, tout ça. Donc là, vous voyez, il y a des petites décos. C'est très léger ici quand même, hein, parce qu'on est, venu, c'était pas ça. Donc on va rentrer. Allez, vas-y. Venez. Voilà, vous avez vu les images, donc c'est assez léger, mais c'est quand même sympa, quoi. Après, donc, si c'est un ambiance cow-boy, je trouve que c'est pas trop mal qu'ils n'en aient pas trop mis non plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, mais enfin bon, quand c'est Noël, c'est Noël. Oui. Et du coup, bah, là, c'est un hôtel 3 étoiles. Hein. Vous avez, c'est un des rares où vous avez machine à laver, sèche-linge, tout ça. Au niveau des décorations extérieures, il n'y a que au niveau des balcons. Vous avez rien en bas, non, tout ça. Ouais. Nous, on l'aime beaucoup. Oui. Bon, bah allez, on file au Santa Fe. Hein. Donc là, hôtel Santa Fe, on y est, hôtel 2 étoiles, qui est pas notre préféré forcément, mais sur l'univers de Cars, très sympa. On avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, où on vous dit tout sur l'hôtel, donc là on va pas aller dans tous les détails. Hein, on est là pour les décos de Noël, savoir lequel est le plus beau. Vous voyez, il y a un sapin, il y a quelques décos, donc au niveau de la réception, il y a des décos, par contre, sur tout l'hôtel, il n'y a pas de déco. Non, en gros, sur tous les bâtiments, alors qu'au Cheyenne, ils ont fait un peu plus d'efforts. Ouais. Forcément, le Cheyenne est 3 étoiles, ici c'est 2 étoiles. Mais vous voyez, bon, ils ont fait un petit effort sur l'accueil. Bon, bah on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la réception. Allez, vous me suivez ? The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Là, on sort du Santa Fe, donc aucune décoration extérieure. Non, hein. Ouais. vraiment. Sur le parking vite fait, mais ouais. Sur le reste, non. Voilà. Par contre, à l'intérieur, donc forcément, nous, on préfère l'univers du Cheyenne parce que c'est plus joli tout ça. Mais par contre, je trouve qu'ils ont fait, enfin, on trouve ouais. qu'ils ont fait plus d'efforts. Ah, c'est plus joli en intérieur. Au niveau des décos mmh. intérieurs du Santa Fe. Ah oui. Ouais. Clairement, il y a pour le coup, il y en a plus. Mais bon. Voilà quoi, c'est vraiment pas pour la saison de Noël, c'est vraiment pas le meilleur hôtel. Non, bah sur le parking, t'as rien quoi, tu sais pas que t'as Noël. Ouais. Oui, non, bah non, pas du tout. Puis pour la différence de prix, parce qu'en général, vous avez, par exemple, entre le Santa Fe et le Cheyenne, vous avez 15-20 euros d'écart. Ouais. Donc clairement, ça vaut pas le coup. Ah bah non, c'est clair. Bon, bah là, on va au Sequoia. Ouais.
On est devant le Sequoia, donc là, celui-là, franchement, c'est le meilleur. Franchement, à Noël, c'est vraiment le top. Hein. Moi, j'ai vraiment hâte, vous allez voir là, on va rentrer dedans, c'est une dinguerie. Franchement, c'est incroyable. Bon, bah allez, allez, on y va. Ouais. Le Newport Bay Club, hôtel 4 étoiles, très sympa, sur l'univers maritime, tout ça, les bateaux, c'est vraiment très 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 joli. Donc vous allez voir comment il est décoré à Noël. Là, d'extérieur, ça paraît pas trop comme ça, mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Allez, on y va. Donc comme vous avez vu, le Newport, très joli, hein. Ouais, très 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 joli, on voit qu'on est dans un 4 étoiles, oui. C'est pas le même standing que le Sequoia, mais très sympa. Donc clairement, pour l'instant, voilà, à Noël, pour l'instant, clairement, je pense que vous avez fait votre choix, c'est Cheyenne et Newport. Ouais. Qu'est-ce que je raconte ? Sequoia et Newport. Ouais. Ouais. Ben c'est ça en fait, le Sequoia est beaucoup plus chaleureux, c'est autre chose. Vraiment à Noël, le Sequoia il est top top. Par contre là, t'as les petits détails de bateau sur le thème marin, c'est ouais. Joli. Ouais, ouais, ouais. Bon, et ben là on va faire le dernier, ouais, le Marvel, qui est très joli. Allez, pour finir cette vidéo, on est devant le Disney Hotel Marvel, donc l'hôtel New York Art of Marvel, exactement, voilà, plus précisément. Hôtel très sympa, vraiment ils l'ont refait, c'était quoi, il y a juste après le Covid. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pendant le Covid, donc il n'y a pas très très longtemps. Magnifique, faut aimer l'univers Marvel, hein, ça n'a rien à voir avec Disney, enfin c'est pas du tout l'univers Disney. Donc vous voyez, celui-là est très joli, plutôt bien décoré d'extérieur. Donc on va aller voir tout ça. Nous on l'aime bien, mais c'est le seul où on n'a jamais séjourné. Non. Parce que attention, hôtel donc 4 étoiles, mais 4 étoiles au-dessus du Newport, donc même en termes de prix, c'est, on n'est pas loin du Disneyland Hotel. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, le Disneyland Hotel n'a pas encore ouvert, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous le filmer. Ça sera l'année prochaine, celui-là, Noël. Bon, allez, let's go, c'est parti. Thank you.
voilà, donc c'est fini pour ce petit tour de tous les hôtels à la saison de Noël. C'est sympa. Bah ouais. Oui, hein, franchement, nous on adore ça, hein, peu importe que ce soit le Santa Fe et tout ça, toutes les décos de Noël, c'est juste magnifique. Donc, bah, en conclusion, lequel t'as préféré, toi ? Numéro 1, c'est Sequoia. Numéro 2, le Newport. Ouais. Numéro 3, Marvel. Et les autres, c'est kiff-kiff. Ouais, alors j'aurais le même classement que toi, clairement, ouais. Ouais, c'est ça, vraiment le Sequoia, comme vous avez vu en premier. Et surtout, quand vous connaissez les prix, vraiment, voilà, parce qu'on va parler un peu de prix, le plus cher, c'est le Marvel. Ensuite, après, vous avez le Newport. En général, entre le Marvel et le Newport, il y a entre 100 et 200 euros d'écart. Ça fait quand même un bon écart. Exactement. Ouais. Après, entre le Newport et le Sequoia, en général, il y a pareil, entre 100 et 200 euros d'écart, ça varie vraiment. Hein. Et par contre, après, entre le Sequoia, le Cheyenne et le Santa Fe, il n'y a quasiment pas d'écart, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ça joue à 20, 30, 50 euros. C'est vraiment très léger. Donc, mais il n'y a pas photo entre les trois. Voilà, pour un peu de différence, autant aller au Sequoia. Ah ouais. Enfin voilà, pour ce petit tour des hôtels, qu'est-ce qu'on a oublié de vous dire aussi ? Si, oui, il ne faut pas venir la première semaine, voilà, à chaque fois. Des c'est saisons. Ça, exactement, parce que là, comme vous voyez au Marvel, à l'Art of Marvel, on n'a pas pu trop filmer. Là, il y a des boules devant, avec des. Ils sont en train de finir. Vous voyez, on est le combien là ? On est le 23, ouais, le 23 novembre, donc la saison a commencé quand même depuis 10 jours, ouais. Un peu plus de 10 jours, et ils n'ont pas encore fini les parterres de y mettre des petits sapins là au niveau des. Décorer, ouais, au niveau des grosses boules. Et Sequoia, pareil, ils n'avaient pas eu le temps de mettre la dernière guirlande apparemment. Exactement. Ouais. Donc non, vraiment, même c'est vrai que c'est moins cher, mais l'idéal c'est de venir vraiment fin novembre parce que les prix sont encore contenus. Et voilà. Et surtout, aussi. Un conseil qui ça n'a rien à voir, mais c'est pour les hôtels, réservés à l'avance. Ah oui, ça. Bon, ça même si vous en doutez tous, il y en a qui photo, sont peut-être pas au courant. Voilà, vraiment le plus tôt vous réservez mieux c'est, parce que nous on a réservé pour le Disneyland Hotel donc fin janvier pour l'ouverture, et nous on a réservé dès le début, hein, vraiment dès que les réservations étaient dispo. Et là par curiosité j'ai regardé si on voulait réserver la même chose maintenant, donc c'est-à-dire deux mois. Une petite offre en ce moment. Ouais, un mois et demi, deux mois après. Curiosité. Oui, parce qu'en effet tu as raison, ils font une offre pour le truc là, le cadre là, mais bon, bref, le petit cadre là. À mettre sous le sapin, pour vous dire exactement la même offre, hein. Si je la prenais maintenant, il y a 500 euros d'écart, mais dans le mauvais sens, comme vous vous en doutez. Donc vous vous rendez compte, 500 euros de plus, c'est... Et attendez, 500 euros juste sur la chambre, je vous parle pas de la pension. C'est à dire que là, nous, la réservation qu'on a fait avec la pension premium et tout machin pour deux, on est même moins cher que juste la chambre si on la prenait maintenant. Donc voilà, vraiment réservé à l'avance. Et encore une fois, faites votre choix, on a tous les goûts différents, mais clairement on vous conseille le Newport et le Sequoia à Noël, vraiment c'est les plus sympas. Ouais. Et du coup, si vous avez un budget qui est peut-être un peu plus contenu, le Sequoia, foncez. C'est pas trop cher, le rapport qualité-prix est vraiment incroyable, et surtout à Noël, c'est ouf, dès que vous entrez, c'est... Bah t'es dedans quoi. C'est ça. Bon, bah on espère que la vidéo vous a plu, et puis bah on se dit à la prochaine. Allez, salut.